Salut à tous, je commence la vidéo ici juste pour préciser ce que vous allez entendre. Je dis à de nombreuses reprises que je gueule sur Mercedes parce que vous allez voir en fait ils se sont plantés dans des pièces à certains moments et là ils se sont pas plantés dans des pièces. Donc je dis que je gueule alors que je gueule pas, je râle tout seul dans mon coin, je râle chez moi, je vais pas faire un scandale chez Mercedes. Donc je suis pas quelqu'un qui gueule facilement comme ça. Mais voilà, je précise, je suis pas en train de gueuler, je suis en train de râler tout seul dans mon coin. Ça peut paraître, je peux passer pour un gros con, je suis un gros con souvent, mais là pour le coup, je suis pas un gros con. Je n'ai pas gueulé chez Mercedes, j'ai pas fait un scandale, d'autant plus que vous allez voir, ils ont commandé la bonne pièce. Ah, j'ai été mauvaise langue. J'ai été très mauvaise langue parce que j'ai été chez Mercedes et je cherchais donc cette pièce-là à changer pour le ventilateur. Et ils se sont gourés une fois, c'était sûr, parce que la pièce était vraiment vraiment pas bonne. Et la deuxième fois, ils m'ont commandé ça. Dans le doute, je l'ai pris. Mais j'étais convaincu que cette pièce-là n'était pas la bonne. Donc j'étais en train de gueuler comme un putois sur Mercedes. Hop! Parce que ça fait quand même 3 fois qu'ils se gourent sur diverses pièces. Donc j'étais vraiment sceptique. Et en fait, j'enlève la fiche et je me rappelais plus du tout que c'était comme ça. Et c'est bien la bonne pièce. Donc j'ai été très mauvaise langue. Et en fait, c'est bien ça. Et les séries, elle part toute seule. Nickel, apparemment. Donc on va vérifier ça tout de suite. Eh, le type de refroidissement, il est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Donc forcément, une main, vous me voyez galérer. Le mec qui fait tomber les pièces direct. Alors ici, on y va. Serré et ça s'emboîte nickel, donc on va aller vérifier ça. Allez, on est parti. J'ai remplacé la pièce que je pensais que c'était pas la bonne, parce que c'est vrai que Mercedes à plusieurs reprises se sont trompés dans les commandes. J'avais demandé à je vais fermer la fenêtre, on n'entend rien. J'avais demandé plusieurs choses et à chaque fois c'était pas forcément les bonnes pièces. Donc là, bon, j'ai constaté que c'était la bonne, donc bah, mea culpa. Pendant une semaine, j'ai gueulé sur ces gens pour rien du tout. Mais ouais, une semaine parce que j'ai pas trop le temps en fait dans la semaine de faire des trucs. Donc j'étais sûr que c'était pas la bonne. Et en fait, si, c'était la bonne. En tout cas, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la pièce précédente. Elle s'installe nickel. Donc bah là on s'en va faire un tour pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc étant donné la température, si je roule, le ventilateur va jamais se déclencher. Donc je vais me mettre à l'arrêt un petit peu, faire 2-3 photos le temps qu'elle chauffe. Et voir si ce capteur fonctionne. En tout cas voilà, elle n'a pas roulé depuis une semaine, elle a démarré nickel. C'est vraiment... Je crois que 2 semaines ça lui plaît pas, une semaine ça va encore. Il faut que je roule toutes les semaines avec et puis ça fonctionnera. Voilà, alors j'ai constaté avec grand plaisir que nous étions maintenant 90 abonnés sur la chaîne. Là, il y a une croissance de la chaîne qui est incroyable. On est vraiment sur... Non, en vrai, je suis content parce que je pense que les gens qui s'abonnent sont des gens intéressés. Donc merci à vous de vous être abonnés. Continuez, n'hésitez pas si vous regardez les vidéos, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à en faire d'autres. Sur Instagram, pareil, on approche bientôt les 100, donc tout ça est cohérent en fait. Hein. Donc je suis content, il y a plein de vidéos qui arrivent parce que j'ai plein de pièces à monter, notamment les freins, j'ai un joint pour le capot, j'ai quoi d'autre, j'ai la vidange à faire, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la vidange. Donc
il y a plein de vidéos qui arrivent. Encore une fois, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop la place, donc on va voir ça. Bon, bah voilà, c'est fait. C'était bien ça le problème. Ça fonctionne à merveille. Je suis trop content. On l'entend bien souffler. Ça souffle à mort. Radical quoi, c'est radical quand l'aiguille monte jusqu'au trait là, ça se déclenche et ça redescend mais à une vitesse. Donc je suis très content parce que ça marche bien. Donc moi je suis quelqu'un qui est content pour pas grand chose. Bah là je suis content, c'est peut-être pas grand chose mais je suis content.